C'est Fink, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Lego DC Super Villains. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. On se retrouve donc pour la suite de notre aventure. Je suis désolé si en ce moment j'ai un peu de retard sur les enregistrements. J'essaye de suivre mais un peu en décalé. Lex Luthor. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais s'ils veulent vraiment jouer au héros, nous allons leur donner la plus belle collection de mauvaises graines jamais. Ça se collectionne, les mauvaises graines. On va leur montrer comment ça se passe sur notre terre. Mais Ultraman est si puissant. Nous ne sommes pas invincibles, Lex. Enfin, je ne parle pas de l'aspirateur à pouvoir. Je veux dire que... Eh bien, nous allons devoir recruter l'équipe de super vilains la plus puissante, la plus forte et la plus perfide que le monde ait jamais. Oh. Allez. On est Lex. Pourquoi est-ce que Mercy a garé le jet tout là-haut? Ce n'est vraiment pas pratique. Détends-toi, Lex. Trouvons juste un moyen de l'atteindre et nous serons à Gorilla City en un rien de temps. Enfin, allez, c'est parti. Le jet est paré au décollage. Prochain arrêt. Merci, merci. Allez, direction Gorilla City. À la recherche de Grodd. Star Labs, le gala de Galaxy Communication et la Arkham. Le syndicat des justiciers laisse les méchants filer à chaque fois. Les héros remplaçants de la Ligue n'ont pas l'air si droits que ça dans leurs bottes. T'as bien raison, Lane. Est-ce que tu sais pourquoi Flash porte des bottes? Il est dur de courir avec. Mieux vaut des baskets. Peut-être que les héros du syndicat des justiciers sont moins forts ici, vu qu'ils viennent de Terre 3. Ou alors nos méchants de Terre 1 sont... trop fourbes pour eux. Il y a Anguille sous roche au syndicat des justiciers. Et je parle pas du roi des mers. Allez, Jimmy, on se remet au travail. La salle de rédac du planète, c'est notre meilleure option. Ok. Donc, malgré un léger contretemps, la tour de Galaxy Communication est opérationnelle. Les rumeurs d'une évasion à Arkham ont été largement exagérées, et nos amis du syndicat des justiciers pourchassent les quelques criminels qui seraient encore en fuite à leur... Le méchant Ultraman. Si on doit rejoindre Grodd dans son palais, pourquoi tu t'es pas garé plus près, Thor? Je ne voulais surtout pas perturber la foule. Un grand singe effrayé, ça peut être très drôle. J'ai pas peur d'un whisky kiri kiki. Grodd est un gorille, idiot. Allez, donc c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ça lag en plus. C'est pas la vraie ville, gros malin. Ces vieilles ruines ne sont qu'une entrée secrète. Ouais, je le savais. Impressionnant. Essayons de trouver l'entrée. Allez, donc c'est parti. J'espère que j'ai pas trop lagué là. Sur ce chapitre. Par contre, je l'aime pas trop du tort. On va prendre Heatwave. Hop. Ça doit être pour Cheetah, je pense. Ouais. Ok. Ah, c'est exactement le genre de situation dans lequel j'excelle.
Voilà, allez. What the fuck? Je comprends pas trop de trucs. Ah si, attendez, je pense savoir. Presque. Là. Par contre, après, je comprends pas ce qu'il faut faire. Non. What the fuck? Et toi là? Alors à moins que ça soit... Ah mais attendez, il y a une bille en fait. Ah mais j'avais même pas remarqué. Tac, et là de l'autre côté. Bah voilà. Non, lâche. Voilà. Galérer pour un truc pareil, quoi. Le comité d'accueil? Pourquoi ils sont si Exactement. faibles? Vous savez qu'on est, non? Quelqu'un a oublié de les mettre au courant, on dirait. Défendez-vous. C'est vraiment génial. Vous connaissez un endroit où on ne se ferait pas taper dessus? Oui. Toi, non. Hop. Non mais oh. Encore un comité d'accueil. Fermez, s'il te plaît. Non mais oh. Allez, on récupère les pièces. Wow. Ok. Allez. Et tout de suite, hop, on passe là. Ok. Non, donc ça, on peut rien y faire. Ok. Allez. Amusons-nous un peu. Voilà. Réfléchissons. Voilà. Tout simplement. Allez, Luthor.
Du coup. Là, hop. Là. Et là. Ok. Ça, je sais pas pourquoi, je pense que ce sera pour Cheetah. Allez, où la Miss Cheetah? Tiens, elle va dire la Miss. Allez, hop, hop. Ah! J'ai du mal ce soir. Hop. Parfait. Allez, on y va. Ok. Hop. Hop. Parfait. Ça, on peut pas la détruire. Vaut mieux pas qu'on descende par là, je pense, on pourrait pas remonter. Wow. Allez, on récupère les pièces. Hop, attention. Toi, n'y pense même pas. Oh, 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 vous devez attendre. Hop, on détruit tout ça. Voilà, j'avais envie. Ok, il n'y a rien là-dedans. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Ok, donc ça c'est pour Green Lantern, donc ça sera en mode libre. À qui est cet avion? Certaines pièces pourraient sûrement nous servir. Une petite virée shopping, c'est ça. Voyons un peu ce qu'on a. Hop, alors. Voilà. Au moins, c'est radical. On va devoir faire Tarzan. Allez. Hop. On récupère ça. Oh, je me suis foiré. On va resolidifier ça au cas où. Hop. Voilà. Ok. Allez, on va casser tout ça. Et Cheetah. Ok, et là. Tac. Allez. Ok, le tapis de course de lui. Allez. Est-ce que ça va être encore un parcours nous-mêmes? Ouais. Aïe.
Aïe. Ouf. Ah, pourquoi des fois j'arrive pas? Ok, 6 sur 10. 7. 8. 9. Aïe. Et 10. Parfait. C'est stylé ce mode comme ça. Ok, une banane géante. Parfois, j'ai de sérieux doutes sur nos choix en matière de construction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se voit, non? Allez. Ok, avec le petit ralenti. Ok. Solovar. Grodd a été banni de cette cité. C'est moi qui dirige Gorilla City à présent. Grodd a pourtant bien dit que nous devions le retrouver ici. C'est exact, Alex Luthor. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Solovar. Oh oh. Ok, donc on doit affronter Solovar. Et on est Grodd. Voyons si vous pouvez résister à ça. Ok. Aïe. Vas-y, viens. Aïe. On va prendre les pièces. Voilà qui devrait vous arrêter. Le gars il prend les pièces au calme. Aïe, mais je suis bête moi. Touche-moi pas toi. Vas-y, viens, je t'attends. Eh ouais. Je vous promets que vous allez me le payer. Garde, arrêtez-les. Allez, vas-y, envoie tes singes bidons là. Wow. Ok. Allez. Aïe. Non mais oh. Aïe Luthor. Qu'est-ce que tu veux toi? Le monde va avoir un aperçu du mon jeu. Oh. Wow. Puissant. Non, stoppé. Je suis plus apte à diriger notre peuple que toi, Grodd. Je crois pas, non. Accepte de me céder ta place. Vas-y, viens. Aïe. Aïe. Je vais te défoncer, toi. Voyons si vous pouvez. Vas-y, viens. Attendez, il faut que je teste un truc. Épée. Épée. Allez, viens. Eh ouais. Je vous promets que vous allez me le payer.
un nanner. Tu ne mourras pas. Vas-y, viens. Eh ouais. Ok. Aïe. Je suis plus apte à diriger notre peuple que toi, Grodd. Accepte de me céder ta place. Vas-y, viens. Je vous promets que vous allez me le payer. Vas-y, envoie ton armée. Mes gardes vont vous mettre au fer. Merde, désolé, Lex. Oh, 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 oh. Allez. Wow. Tiens. On sera pas en mode super vilain, je pense. Non, on sera pas en mode super vilain. Hop, on va juste tout casser. Ah, venez, voilà. Hop, ça dégage. On va tout faire pour être en mode super vilain. Il nous en manque très peu. Allez, venez les gars. Voilà. Ça y est. Oh. Oh la puissance. Ah oui, bah oui, il faut l'ex forcément. Oh. Lance cette banane. Oh, tu fais pas rire, toi. Ah, mais c'est bon, on peut être Grodd. Voilà qui devrait vous arrêter. Il est où le machin? Aïe, là. Je te défonce. Où tu veux, toi? Wow. Vas-y, tu veux pas me foncer dessus, s'il te plaît? Vas-y, viens. Bah, t'as pas vu qu'il y a ça? Ah, oh, il s'est pas fait avoir. Si, ça y est. On l'a battu. Justement. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.